Salut tout le monde, ici Alban Was The Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, aujourd'hui on va parler donc d'un live qui va se passer donc cet après-midi à partir de 14h de Digital Lax. Et donc je vais faire mes prédictions donc, sur les annonces et qu'est-ce que Digital Lax. Et on verra ça dans cette vidéo. Et si on attend, je vous parlerai un petit peu de l'event de Duke Devil. On y va, c'est parti. C'est un nouveau site qui nous livrera l'actualité des jeux numériques de Yu-Gi-Oh! On essaie sur les chaînes YouTube officielles de chaque pays et de chaque région. Ensuite, les vidéos de Yu-Gi-Oh! Digital Next nous livreront des actualités sur ces jeux numériques et sur Yu-Gi-Oh! Genius aux joueurs au monde entier. Et la première date de diffusion sera sur le Twitter de Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à regarder dans la description, il sera dans la description. Ainsi que dans mes deux réseaux sociaux, soit Twitter et Facebook, qui seront en même temps dans la description. Donc n'hésitez pas à checker la description. Et donc la date du live, ce sera donc aujourd'hui à 14h, comme je vous l'ai dit, le 20 janvier 2021. Mais là, qu'est-ce que pourrait annoncer Digital Next sur Genius et sur les outils numériques et YouTube. Sur les outils numériques et YouTube, j'ai une petite hypothèse. Là actuellement on a eu un format sur Yu-Gi-Oh qui s'appelle le format spirituel. Donc c'est un format qui ressemblait un petit peu à Phoenix. Il y avait 3 zones monstres et 3 zones magie piège. Il y avait également une vie de terrain, un deck de 20 cartes pour une position de 4000. Et on avait également des cartes compétences. Malheureusement ce format s'est arrêté parce que... Et donc je vais peut-être apporter la raison. En fait, on ne sait pas vraiment la raison, mais on peut supposer. Moi, je suppose que peut-être que Konami, ils ont vu que ça ne marchait pas. Et donc, du coup, ils vont peut-être remplacer par un jeu numérique qui vient d'être sorti au Japon. Puisque c'est un nouveau format. Un format au Japon qui pourrait arriver en Europe. C'est le format Rush Duel. Le format Rush Duel ressemble un petit peu au Duel, mais c'est beaucoup plus intéressant. Donc, il ressemble puisqu'on va avoir également 3 zones monstres, 3 zones magie piège, une zone terrain. J'ai oublié également dans le speed duel, on a le Extra Deck. On aura, ça je m'en rappelle plus, peut-être qu'il doit faire 40 cartes, je ne sais plus. Nos points de vie sont de 1000, contrairement au speed duel. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que c'est ce qui pourra mettre d'autres ce qui pourrait aider d'autres à se mettre dans le speed duel, c'est qu'en fait les joueurs peuvent faire autant d'invocations qu'ils veulent dans leur tour. Et par exemple si c'est après le tour du joueur qui a touché, après que ce soit notre tour et qu'on a plus beaucoup de cartes dans notre main, on va pouvoir piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Et donc au Japon, il y a donc là actuellement où je tourne la vidéo, il y a le jeu du Japon qui est sorti, qui est le Yu-Gi-Oh! Rush Duel Battle Royale. Donc pour télécharger, il suffit de vous rendre dans votre compte, donc c'est sur Nintendo Switch, de vous rendre dans votre compte Nintendo et de faire la deuxième option, donc télécharger. Et donc du coup, voilà. Et également, donc je crois que quand ça sortit, ce sera plus simple, ça devrait être au mois d'août, donc il va falloir acheter une option plus simple. Et donc potentiellement, si ça marche pas, il pourrait sortir donc d'Europe, mais cependant ça va prendre énormément de temps pour que ça sorte. Également, ce qui pourrait d'autres annoncer, là, là pour l'instant c'est hors de Mix, il y aura également une partie des vidéos, je vous parlerai du Mix. Ils avaient également annoncé un Yu-Gi-Oh! Master Duel, un jeu dont vous avez plus d'informations, et peut-être qu'ils pourront en parler dans ce live. Et également, ce que j'aimerais fortement, c'est qu'un jeu Swiss qui est déjà sorti, qui pour moi, son gros problème, c'est que, en fait, c'est les cartes, donc ce sont des anciennes cartes, et qui sont pas encore adaptées aux cartes de Swiss. Eux, je vais apprendre qu'ils sont dans le TCG, et donc en fait, dans le TCG, c'est un peu trop tard, donc j'aimerais bien qu'ils mettent à jour ce jeu, pour que ce soit que les cartes soient. Thank you.
Alors, donc sur Planix, il pourra annoncer la nouvelle box qui devrait sortir la semaine prochaine, donc peut-être, on ne sait pas. Et donc, comme information, on peut prétendre qu'elle va sortir un nouveau personnage qui va sortir de Planix la semaine prochaine, qui est un personnage très apprécié de la communauté, un nouveau personnage de Genix, et c'est l'ultime Sombra. L'archétype héros du mal. Donc ce sont des cartes qui ont été jouées donc par Sombra, et qui pourraient rajouter donc des cartes par rapport à ça dans cette box. Donc vous pourrez avoir également le nom de la box, je pense que ce serait sympa, et également la liste des cartes dans cette box. Également, qu'est-ce qu'on pourrait annoncer? L'actualité de Yu-Gi-Oh! Duel Links, donc il postait donc l'arrivée de Arc 5, et en plus je crois que sur les jeux numériques il n'y a pas tellement de plateforme, donc je pense que c'est une bonne idée de lancer cette nouvelle plateforme de Digital Next, comme ça on va pouvoir avoir des informations, des actualités du jeu. Et donc n'hésitez pas encore une fois à checker live, bien évidemment après je ferai une vidéo qui est très simulée et je vous donnerai un petit sur ce live. À mettre également votre avis en commentaire de ce que vous pensez de ce qui pourrait être le Next. Évidemment, je ferai une vidéo adaptée à ce que vous avez annoncé, puisque je vais faire des lives. Je pense que le live peut-être est là. De toute façon, vous pourrez pendant le live, je pense qu'ils diront. Et donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Dans le